بسم الله الرحمن الرحيم لو دوزيام ليفر مجالس شهر رمضان للامام العلامه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه سو ليفر il est connu عند الاخوان ولله الحمد il a été traduit les assises du mois de Ramadan de Cheikh Al-Uthaymeen c'est un livre très très profitable un livre simple l'auteur l'imam Al-Uthaymeen رحمه الله عليه ses ouvrages ils sont très très simples ولله الحمد beaucoup d'exemples beaucoup de preuves, min al-kitab, min al-sunnah. Et dans cet ouvrage qu'il a écrit, rahmatullah alayhi, il a cité 30 majlis. Majlis, shahr Ramadan. Majlis, c'est le pluriel de majlis. Le majlis, c'est une assise. 30 assises, 30 chapitres, par rapport au jour du mois de Ramadan. En général, le mois de Ramadan, c'est 30 jours ou 29 jours. Et chaque assise, un sujet, lié au mois de Ramadan. On essaiera un jour de le lire, Inch'Allah Ta'ala, durant le mois de Ramadan ou un peu avant, si on peut l'année prochaine, Inch'Allah ou autre, si on a encore envie. Nas'alullah Subhanahu Wa Ta'ala min fadlihi. Voilà, ce genre de livre, c'est très très simple. Pour les frères arabophones qui lisent, qui comprennent l'arabe, ils peuvent le lire en famille ou entre frères ou seul. Tous les jours, tu lis un majlis. Tu commences le premier jour de Ramadan et tu termineras à la fin. Ça t'estavide kathiran. Le premier majlis, première assise, premier cours, premier chapitre, fi fadl shahr Ramadan. Les mérites du mois de Ramadan. Il a cité beaucoup de versets, beaucoup de hadiths. Le deuxième, fadl siyam, les bienfaits du jeûne. Le troisième, hukm siyam, et le jugement du jeûne. Est-ce que c'est obligatoire? Pour qui c'est obligatoire? Le quatrième, fi hukm qiyam Ramadan, et le jugement sur le fait de veiller la nuit en salat, en prière durant le mois de Ramadan, et salat tarawih. Le cinquième, les mérites de lire le Coran, fadl at-tilawa. Le sixième, aqsam an-nas fi siyam, les différentes catégories de personnes concernant le jeûne. Le septième, fi ta'ifatin min aqsam an-nas fi as-siyam, toujours concernant les catégories de gens par rapport au jeûne. Le huitième, kadhalik, la suite. Le neuvième, fi hikam as-siyam, les sagesses du jeûne. Le dixième, les comportements du jeûneur. Le onzième, les comportements du jeûneur recommandés. Le dixième, c'était les comportements obligatoires. Le douzième, il a retraité le sujet concernant la lecture du Coran. Le treizième, le comportement à adopter lorsqu'on lit le Coran. Le quatorzième, al-mufattirat, les annulatifs du jeûne, boire, manger, etc. Le quinzième, donc là, on a, si on suit l'ordre et si on lit le livre, on commence, Inch'Allah, au début du mois de Ramadan. Le quinzième, tu seras la moitié du mois de Ramadan. Fi shurut al-fitr bil muftirat wa ma la yuftir as-sa'im wa la yufattir as-sa'im wa ma yajuz lis-sa'im. Concernant toujours certaines choses, est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est pas permis? Est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Ça c'est des masail fil fiqh. Aïe, le 14e et le 15e chapitre. Le 16e fi zakat. Il y en a beaucoup de gens, ils ont pris cette habitude de sortir la zakat durant le mois de Ramadan. Pourquoi? Il y en a, le mois de Ramadan, c'est un shahr mubarak. Ils ont commencé par ce moment, donc al-hawl pour eux, l'année elle se termine, à chaque fois le mois de Ramadan, ils doivent sortir la zakat. Il a cité des points concernant la zakat, vu que beaucoup de gens ils sont concernés. Le 17e, fi ahli zakat, ceux qui méritent de recevoir la zakat. Le 18e, fi ghazwati Badr. Il a décrit la bataille de Badr, du début à la fin, rahmatullah alayhi. قال التاسع عشر في غزوة فتح مكة شرفها الله عز وجل فتح مكة كذلك il a eu lieu durant le mois de Ramadan كما تقدم معنا فلا 19e assise il l'a cité et il a décrit فتح أي la conquête de Mecca à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم la 20e assise في أسباب النصر vu qu'il a cité dans la 18e et la 19e assise deux batailles importantes Badr et فتح مكة la 20e il en a profité rahmatullah alayhi pour citer les causes du Nasr les causes de la victoire. Il y en a les croyants qui lisent ces chapitres. Bien sûr, ils espéraient qu'à notre époque, Midlahad al-Jihad al-Tayyib, qui était fondé sur la justice, la miséricorde, c'est très très profitable. Et qu'adalik, chaque croyant, il espère la victoire. Et vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il aura accordé la victoire à Badr et à Mecca, Fashir ibn Uthaymeen, il a résumé les causes. Il y a des causes pour cette victoire. Thumma, le 21e chapitre, fi fadl al-ashr al-akhir min Ramadan. Enfin, il a commencé le 21e chapitre par les mérites des 10 dernières nuits. Thumma, le 22e sur l'ijtihad. Aïe, multiplier les efforts durant les 10 dernières nuits et les 10 derniers jours. Al-thalith wal-ishroun, wasf al-jannah.
vu que énormément de hadiths qui prouvent que celui qui fait des efforts, il aura le paradis, enfin, il a cité dans le 23e une description du paradis. Pourquoi ? Pour te motiver. Pour te motiver à faire des efforts. Quand on atteint la 23e, le 23e jour, donc la 23e nuit, ça peut être la nuit du destin, et on arrive dans les 7 dernières nuits, où on doit encore multiplier encore plus les efforts. Cheikh Rahimallah, il a cité un descriptif du paradis pour nous motiver. La 24e assise, donc 24e chapitre, fi awsaf ahli al-jannah, les caractéristiques des gens du paradis. Il les a décrits. Thumma le chapitre suivant, donc le 25e, fi wasf an-nar, description de l'enfer. C'est très très profitable de connaître le paradis et de connaître les caractéristiques qui mènent au paradis. Et Agada, c'est important de connaître an-nar et les caractéristiques qui poussent en enfer. L'être humain, il est comme ça. Il est toujours bayna khawf wa raja. Si tu penses qu'au paradis et tu ne connais pas l'enfer, tu auras certains manquements. Si tu as les deux, bi'idnillah azzawajal, tu suivras le juste milieu. Thumma, il a cité dans le 26e, asbab dukhul an-nar, les causes qui poussent en enfer. Thumma, le 27e, la suite des causes qui poussent en enfer. Thumma, le 28e, fi zakat al-fitr. Vu que le 28e jour, le ramadan, ça peut s'arrêter après le 29 ou après le 30, ça dépend si c'est 29 ou 30 jours. Enfin, le 28e, il a cité Zakat al-Fitr. Et Kadalik, vu que Zakat al-Fitr, tu peux la sortir un ou deux jours avant l'Eid, il a expliqué Zakat al-Fitr. Thumma, le 29e, fit tawba, le repentir. Vous avez vu exactement comme Al-Hafid ibn Rajab dans la Ta'if al-Ma'arif. À la fin, il cite le repentir. On doit essayer de terminer, de finir ce test, cette vie avec le repentir. Et vu qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, on doit multiplier le repentir chaque jour. Thumma, le dernier, fi khitam al-shahr, la fin de ce mois, il a cité plusieurs points. Kitabun nafis, il a été imprimé. Hadihi al-tab'a al-tayyiba, bien sûr. La Mu'assasa de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Et c'est un livre, il est très très court, un peu moins de 250 pages, exactement 245. Et chaque chapitre, c'est quelques pages, un peu moins de 10 pages. Enfin, celui qui prend l'habitude, tous les jours, il lit Hada al-Kitab, fasayestafid. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa s-sadad.